Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui Bipass, qui est un jeu éducatif, ce qui est extrêmement difficile à faire, puisque en général, soit on privilégie l'éducation et le jeu n'est pas amusant, soit on privilégie le jeu, et à ce moment-là, l'éducation passe en second et souvent est oubliée dans le jeu. Donc l'idée est de faire une application pour très jeunes enfants afin de leur apprendre à ne pas lever le doigt lorsqu'ils font un geste graphique. L'application permet donc de travailler la continuité du geste graphique pour une écriture plus fluide. Comme vous le voyez, l'application sur certains niveaux se rapproche beaucoup d'une écriture, ici avec un E et un L qui se suivent et qui sont dans la continuité. L'application comprend une cinquantaine de niveaux, les premiers étant évidemment les plus faciles avec des gestes graphiques tels que la ligne droite ou la courbe, ou des zigzags, des N, des Z majuscules. Les derniers niveaux s'éloignent du côté éducatif et du geste graphique et présentent des petits labyrinthes qui permettent de rendre le jeu plus amusant si on maîtrise le geste. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question ou suggestion, n'hésitez pas à me contacter.